Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizère. Un plaisir, une autre fois encore, pour entrer la CAO, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne. C'est le dernier soutien pour ce maintenant. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité à concernant le pays d'Haïti, tentative d'évasion et incendie dans la prison civile Ville Saint-Marc pour qu'on gagne une note officielle sous incident. Région Moyen-Orient, négociation yon dans Doha, Qatar, campé et y a pour commencer semaine prochaine, la Maison-Blanche sorti une nouvelle proposition pour une trêve dans la guerre Israël-Hamas. États-Unis, Colombie et Brésil favorable pour l'autre élection déroulée dans Venezuela, une proposition gouvernement à toute opposition rejetée la veille manifestation internationale opposition lancée. C'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour vous. Dans un petit moment, merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Jeudi, c'est vendredi 16 août 2024. Actualité a mené nous. D'abord, dans le pays d'Haïti, il y a une grosse panique. Dans une invasion dans la prison civile Saint-Marc. Jeudi 16 août, il y a 12 prisonniers qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés. Nous allons rejoindre un correspondant, nous, Junior Racine, depuis Ville Saint-Marc. 12 prisonniers rivés perdu la vie, 4 blessés, une dizaine l'autre rivés sauvés dans la prison civile Saint-Marc là, dans le département la Tibonite, bien bonnet, journée vendredi 16 août 2024 là, bon 7h dans matin comme ça. Ça la cause plusieurs prisonniers criminels chapés pour lui, plusieurs l'autre perdu la vie avec blessés graves, 2 policiers rivés blessés et dans le cas d'évasion ça, plusieurs bureaux rivés boulés en la prison civile Saint-Marc là. Maître Vincent François qui est commissaire gouvernement AI, tribunal première instance Saint-Marc. Là, déclarer toute bagaille sous contrôle pour le moment. En réalité, nous bagaille sous contrôle. Nous avons contrôle en prison, même si nous avons constaté que nous avons un système hydraulique que nous avons installé là pour nous continuer à éteindre du feu. Parce que nous mettons du feu dans tout d'autres policiers, nous mettons du feu dans l'archive, nous mettons du feu dans la cuisine, nous brûlons toute bagaille. Et c'est pour ça que nous débarrons énorme. Mais tout bas. Nous avons fait évaluation. Évaluation, j'ai dit évaluation. Moi, je dis déjà, ils ont brûlé presque tout le bagage. Okay. Seulement, cellules n'ont pas brûlé. Ils ont mis du feu dans tout le bagage. Et pour cas de mort, combien ont enregistré comme ça? Et jusque-là, moi, j'étais là, moi, j'étais déplacé parce que ils ont crasé et grillage. Nous avons fait de l'acquisition pour que nous permettre que nous fassions le travail. C'est qu'on juge de paix qui sur place, Napton et Conseil-Verbal, pour que lui-même nous a fait des comptes pour nous. Commissaire, il y a des informations qui font quoi que des policiers qui touchent par balle. Comment ça est? Oui, nous avons une qui touchent par balle, qui prend balle dans le pied. Mais jusque-là, la situation n'est pas critique. C'est un seul. Nous avons l'autre qui fracture et tout, mais et jusque-là, ça va. Comment c'est lui qui ouvre et CG? Moi, pas qu'au cas du commissaire. Quand c'était cellule pour ouvrir, bon quand c'était pas ouvrir, et il y a travail là-dedans. Tout à l'heure, le boss et Fionnou a commencé à travailler le samedi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ça qui passe? Bon, gros problème, non qu'on ait gros problème et personnel DAP a pas répondu par rapport avec quantité de thé qu'il a. Et puis bon en réalité, il était pas prêt à manger. Hier soir, bon, l'été matin, moi, j'ai joué un message responsable là, vers 10h du soir, côté que l'été n'a pas agité. Il a joué, et puis il a même joué maman. Cependant, matin, l'information que j'ai gagné, les Aurélien Bonheur, ils ont dit moi, il a pas le tenté, il a pas le faire au bain, mais automatiquement, il a ouvert la cellule pour mettre au lieu, et puis il a décidé d'entrer, et puis il a commencé à jouer. C'est arrivé à cause prisonniers ont passé plusieurs jours dans prison civile Saint-Marc là, ils ont pas mangé à cause agent appena yo, ils ont fait grève dans niveau prison. Ça t'est soulevé colère prisonniers yo, bien bonheur matin, la police avec la justice lancé une opération coucou rouge contre tout évadé quel que soit côté yoyé sous territoire. Pas oublier, les affaires sécurité, ces affaires tout citoyen conséquent, c'est seul dans une collaboration police et population, n'a privé combattre tout zak banditisme dans le pays. Métropole, Baza Tibonit Saint-Marc, Junior Racine, La Voix de l'Amérique. Merci Junior Racine. Donc c'était un gros vent panique dans Saint-Marc bonheur matin. Les questions ça t'est arrivé dans yo t'ai parlé de tentative et d'évasion. Après ça, yo vin constater finalement que c'est vrai évasion. Donc gen l'autre suivi qu'a fait ce dossier n'a pas été branché pour. Et puis actualité a mené nous qu'on y a en République Dominicaine, c'est jeudi 16 août 2024 là que président Luis
Abinader, lui-même lui prêté serment pour un deuxième mandat dans tête République dominicaine, donc l'a fait un mandat de 2024 à 2028. Dans une cérémonie Jack sous Jack qui déroulait dans le théâtre national, il y a plusieurs chefs d'État qui étaient répondent présents et il y a des figures internationales, tout, notamment le roi d'Espagne Felipe et Felipe VI, était présent dans l'occasion. Luis Abinader, qui a 56 ans, a remporté l'élection avec 57% voyou. Il a gagné une majorité dans deux chambres, nous capable là cap prêter serment cap lever main et donc il a une majorité dans deux chambres parlement et parti là en parlant de parti révolutionnaire moderne PRM social-démocrate, eh ben il contrôle tout majorité mairie. Autorité haïtienne yo même yo té boudé invitation République dominicaine pour yo té aller participer dans investiture ça nous té capable ouais et té gan pile réaction qui sorti par rapport à position et pays d'Haïti autorité yo qui yo même dit que si citoyen yo pas ka joine moyen pour y aller donc yo pa vle gon privilège pour yo même pour y aller. C'est comme ça tout dans même dossier, yon ancien parlementaire haïtien plaidé en faveur bon jan négociation ak autorité haïtienne yo ak République dominicaine pour améliorer relation de pays yo. Détail avec Ronan Toussaint depuis Port-au-Prince. Dans occasion investiture président dominicain Luis Abinader qui parti pour yon deuxième mandat à partir vendredi 16 août 2024 là, ancien député Serge Jean-Louis mandé autorité haïtienne yo entamer négociation politico-diplomatique avec autorité dominicaine yo pour capable relouvrir frontière terrestre et aérienne de pays yo que l'état dominicani te fermé depuis 2023 à cause li pa vle construction canal irrigation rivière Massaclan. Pa quoi l'état haïtien gen aucun intérêt à refuser aux négociations dans les cas pour ta ouvrir pour ta ouvrir frontière ta habitat la ville de Sodo c'est le cohérent. Des peuples condamnés, pour vivre ensemble. Le problème, c'est pas dans le temps peuple, non? Le problème, c'est dans le temps autorité. Et particulièrement, l'équipe Abinader, qui c'est des ultranationalistes. Ouais, il était besoin d'une campagne électorale, il fait même pour attirer l'attention ultranationaliste. C'est pourquoi j'ai dit ça a été une démarche électoraliste. Bon, hier, il a continué, donc, ouvert frontière, démarche pour ouvrir frontière, pas quoi? Donc, aucun haïtien n'a opposé à elle. Mais, nous avons besoin d'arbitrage, nous avons besoin d'ouvrir frontière. Ancien parlementaire fait connaître tout, li d'accord à Premier ministre Garry Conille et président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, qui pas à participer dans l'investiture Luis Abinader. Président qui fait frontière, il a besoin de démarche campagne électorale. Là, il fait campagne électorale, il est élu. Et puis, il parle prétissement, c'est comme qui dirait, qui t'a invité le représentant de l'État haïtien. Et puis comme, vous t'avez les voiler. Mais, c'est une bonne chose. Mais, ils sont pas automatiques. Pour n'importe homme d'État ou femme d'État responsable, qui respecte les règles du jeu, avait dit Jean l'État dirige. Mais, on a battu bravo, comme dit Ndaradou, c'est un acte héroïque. Son bagage automatique, ça, c'est une réponse commandée par les circonstances du moment. En tout cas, d'après un pile observateur, il y a une grande nécessité pour relation entre deux peuples qui partagent, même s'il est rétabli comme ça doit. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, ou toujours sur VOA Creole, observe un programme dans langue créole haïtien, actualité internationale là, dans un petit moment. Toujours sous VOA Creole, on suivi un programme dans langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info. Yon programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi et jeudi à c'est dernier édition. Nou, actualité dans la région Moyen-Orient, négociation yon dans Doha. Que n'a parlé de Qatar et ben yo campé et il a pour commencer semaine qui vient là. Pendant ce temps il y a la Maison Blanche qui sorti avec proposition pour yon trêve dans la guerre Israël Hamas là. Gentil Augustin Junior, gen détail. D'après une déclaration pays médiateur, États-Unis, l'Égypte, à Qatar, Chita Pali qui fait hier jeudi
ak jodi vendredi 16 d'août 2024 la, ki vize pou jwenn yon akòr pou yon sesèlfè nan Gaza ak liberasyon otaj Izrayèl yo ak prizonye Palestinyen yo, tèt a tèt sa te serye epi konstriktif. Bien bonè jodi vendredi ya nan Doha, les Etats-Unis ak sipò peyi l'Egypt ak Qatar prezante tout debò yo nan yon proposisyon transisyon solide avec principe président Biden te annoncé nan date 31 mai 2024 la ak résolution Conseil sécurité numéro 2735 la. Proposition sa campé sous point compréhension yo nan semaine passée ya. Et puis combler trou vide qui rete yo pour permettre application rapide accord. Ministre Affaires étrangères pays l'Égypte Bader Abdelati, dans une conférence pour la presse dans Beyrouth, déclaré: l'Égypte, ensemble avec Qatar et États-Unis, a fait tout effort possible pour joindre un accord rapide qui mène dans un cessez-le-feu immédiat qui pour mettre fin dans tout civil yo, et puis qui a mené tout dans un échange prisonnier ak otage. Dans une cérémonie dans bureau jeudi vendredi 16 d'août 2024 là, président Joe Biden t'a réjoui pour déjeuner chita parler ya. Et puis li déclaré: nous pi prépasser tout temps. Moi pas vle pote mauvais chance. Mais tant kou grand papa m'te dit ak fave bon Dieu, nous ka gagnon bagay. Mais nous poko la. Mais li pi prépasse 3 jours passé yo. Donc on croise droit nous. Pendant président Biden a fait louange, groupe armé Hamas la qui pat présent nan chita pale sa nan Doha rejeté nouveau conditions qui nan proposition que médiate américain Qatar ak pays l'Égypte sorti ya qui pas semblé dit tout ak sa yo te siyen nan mwa juillet 2024 la. Sou kondisyon anonim, yon nan ofisyel mouvement islamis lan di AFP: nouvo kondisyon Israel la gen la dan kenbe fos la melia nan bant Gaza sou fontye ak peyi l'Egypte la. Epi, li te ajoute: nou pap aksepte oken lot bagay ke yon sese l fe pou tout an. Yon retre total troupe israélien yo nan bant Gaza, retou moun ki déplacé yo ak akor échange otage pou prisonnier. Malgré tout désaccord sa yo, rendez-vous a cassé nan ville Caire nan pays l'Égypte pou finaliser akor cessez-le-fè ya ak libération otage israélien yo kont prisonnier palestinien yo. N'a rappelé pendant négociation yo a fait pour yon cessez-le-fè, l'armée Israël la pas suspend attaquer Gaza. Palestinien ki blessé ak mouri yo empilé nan l'hôpital Nasser après attaque aérien l'armée Israël la sous Khan Younis nan sit Gaza. Alors que jefo diplomatik yo a multiplié pour assurer yon trêve nan Gaza et puis éviter yon la guerre totale nan Moyen-Orient. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil, nous pral parler de guerre Ukraine la Russie Konya, troupes l'armée ukrainienne ont envahi ville russe qui relait Soudza et ont détruit un poste militaire sous frontière et soldats russes ont déposé les armes. Valérie Saint-Louis pour plus de détails. Brigade militaire ukrainienne a publié jeudi vendredi 16 août sa vidéo qui montrait premier jour invasion ukrainienne dans ville russe qui relait Soudza qui dans région Kursk. Vidéo qui publié sur Facebook là, t'es montré un poste militaire sous frontière qui détruit dans ville Soudza avec des moun yo kwè qui se soldats russes qui a déposé les armes et qui a pris une tête yo. Agence la presse Reuters là t'es arrivé capable confirmer location côté vidéo a été filmé à partir de configuration building yo qui dans zone là et puis avec disposition route yo ak pied bois yo qui matché ak image satellite dans zone là. Avancement Kiev sous territoire russe là t'es prend Moscou par surprise pendant que force l'armée Kremlin t'es rentré progressivement pendant toute année qui s'est passée là sous territoire l'est pays Ukraine.
gen 18% dans pays Ukraine qui occupé par pays la Russie. Chef l'armée ukrainienne Oleksandr Sirski te dit président Vladimir Zelensky hier jeudi a que jusqu'à présent troupes li yo te fait une avancée de 35 km dans région Kerksla. Yo te capturé 82 colonies sous une superficie de 1150 km² en dedans la Russie. C'est plus gros attaque qui fait sous pays la Russie depuis deuxième guerre mondiale là, ça a changé perception qui t'a fait croire que Ukraine c'est un pays qui faible. Toujours même jeudi vendredi 16 août ça, une série de frappes ukrainiennes t'a blessé au moins 7 moun et mette di fe dans un centre commercial dans ville Donetsk qui était sous contrôle la Russie dans l'est Ukraine. D'après sa plus gros officiel russe dans région t'a dit Denis Pushilin qui c'est gouverneur que la Russie t'a installé dans zone là, t'a publié sous Telegram pour dire n'a cité d'après information préliminaire que nous joignent, 7 civils qui gagnent la dedans un adolescent t'a blessé. Données sous blessé yo continuer à pentrer. Denis Pushilin pas mentionné aucun monde qui mourit, mais agence nouvelle l'état qui c'est TASS te cité autorité locale qui te dit que au moins 2 monde te mourit dans bombardement dans un centre commercial, mais pas de aucun confirmation sur ça. Président Vladimir Poutine t'a rencontré jeudi vendredi à tout membre permanent conseil sécurité la Russie pour discuter sur ça. Il te dit qui c'est solution technologie avancée qui t'est employé dans ça que Moscou fait référence avec l'in attaque militaire dans Ukraine que yo relé opération militaire et spéciale. La Russie a goumé avec force ukrainienne dans Kursk depuis date 6 août là. Les Kiev t'ont lancé une invasion surprise avec pigou attaque li sous territoire souverain pays la Russie. Ministre défense russe Andrei Bolusov t'est participé dans réunion ça par vidéo. Il était présidé une réunion dans Moscou sous déploiement mezi pour protéger frontière état la Russie dans région Belgorod, Kursk et Bryansk. Il était passé l'ordre pour créer un conseil pour coordonner effort pour capable défendre zone par militaire ensemble avec l'autre moyen. Pour VOA Creole depuis New York, Valérie Yo Saint-Louis. N'a pas entrer dans rubrique sous actualité électorale ici aux États-Unis et nous parlons de quelques thèmes particuliers qui en général paraissent pendant la campagne présidentielle ici aux États-Unis. Avant élection présidentielle là, c'est ça organisation Droit Monde Freedom House dit dans rapport lié sous vulnérabilité électorale. People here in the United States. Les dimoun aux États-Unis a considéré théorie complot à faux info politique. On a fait 70% républicains, électeurs qui gagnent tendance républicain, prennent un piège théorie qui dit résultat élection 2020 en pas légitime. Kounia, avant 2024, nous avons même thème ça y a reparaître et dominer. Conversation. We've seen that narrative already emerging and dominant. Caponnage en ligne et harcèlement autorité électorale ont augmenté tout, ensemble avec violence politique, d'après Kian Westensen. We've seen. Lizi nous constater candidat politique qui a subi attaque directe et plutôt une tentative assassinat contre ancien président Donald Trump. Parole raïssement, crime raïssement contre monde défavorisé ont augmenté tout. On the rise. Tandis que infrastructure électorale à protéger, attaque cyber, bah, go, qu'est sauté, yo-même. The most vulnerable targets. Les disciples plus vulnérables, c'est campagne avec site web qui bat moun info sous élection. Compagnie cybersécurité Recorded Future rapporté une augmentation tentative influence bon côté Iran, la Russie et la Chine. Parmi eux, il y a utilisation intelligence artificielle pour développer articles qui pas authentiques que ont publié sous faux site nouvelles qui fait paraître tant que bon gens médias. Sean Miner travaille pour Recorded Future. Lizi pour introduire parti pris dans contenu politique qui favorise un parti, en particulier, de créer contenu qui correspond à objectifs géopolitiques gouvernement, et c'est comme ça, yo avancer intérêt yo vis-à-vis candidat qui ka pi aide yo s'il remportait élection. Est-ce que j'ai foi au joint succès? Lidi nous pas gen donné qui suggérait opération sa yo gen impact sous résultat élection historiquement parlant. Mais yo encourager électeurs américains yo été vigilants et puis méfier yo de article qui gen faute frappe que yo rentré sous web là qui t'a qu'à montrer que yo faux. Reportage Veronica Balderas Iglesias, traduction Sandra Lemaire, VOA Creole.
Merci Sandra. Donc son rubrique poursuivre, une rubrique sur actualité électorale ici aux États-Unis. Nous connaissons la machine en direction et convention nationale parti démocrate là qui est pour dérouler dans ville Chicago, dans l'État Illinois. La fête sortie 19 pour arriver 22 et VOA Creole à présent dans l'occasion. Actualité maintenant dans le pays Venezuela. Côté opposition politique a lancé une manifestation que vous considérez comme une manifestation mondiale demain 17 août là. Dans le moment, il y a au moins 3 pays qui favorables pour ta gain nouvelle élection dans le pays Venezuela. On a l'ouest à vivre. Brésil et Colombie mandé hier jeudi à pour élection refaite dans le pays Venezuela dans l'idée pour résoudre crise politique et électorale la qu'on est journée jeudi à après réélection contestée président Nicolas Maduro. Opposition qui croit que c'est lui qui remporte élection ça yo rejeté proposition ça pendant yo accusé président Nicolas Maduro d'est-ce que lui a joué avec la vie plusieurs millions vénézuéliens les lui bloquer une transition politique. Vraiment vrai chef opposition Maria Corina Machado déclaré dans médias chiliens et argentins, ignorer ça qui passait le 28 juillet, donc date élection, c'est pour moi un manque respect pour Vénézuéliens, pour droit grand monde population. Edmundo González Urrutia, candidat opposition, allait dans le même sens avec Madame Corina Machado. L'elle écrit sous compte X li, moi remporté yon go koken chen victoire. Et depuis même soirée élection yo, monsieur González Urrutia te mandé président Nicolas Maduro pour le respecter volonté peuple vénézuélien. Pour lui, chaque jour qui passait après une situation pi malouk dans pays Venezuela. Réaction yo défavorable tout bon côté gouvernement par rapport à appel Brésil à Colombia. Président Maduro. Los conflictos, quel que soit conflit au Venezuela, c'est Vénézuéliens qui pourraient résoudre avec loi, institution yo, et constitution pays. Il continue pour le dire, il ne peut jamais dire gouvernement Colombia, ça pour le faire et ça pour le pas faire. Président brésilien lui-même, bon côté parle en parlant de Luis Ignacio da Silva alias Lula, il dit li essentiel pour élection libre et démocratique déroulée dans pays Venezuela, côté la réclamer l'autre élection déroulée dans le pays. C'est position tout président américain Joe Biden, l'un journaliste et mandel, est-ce que l'est favorable pour gagner l'autre élection qui déroulée dans Venezuela? Il te répond, oui, moi d'accord. Leader gauchiste Venezuela rejeté tout position président américain Joe Biden. Parlement vénézuélien fait signer une loi qui dit dans aucun cas, yon étranger pas gain droit rentrer dans question électorale pays. Pays Venezuela plongé dans une grosse crise électorale depuis après élection 28 juillet qui s'est passé là côté CNEA, Conseil national électoral là, t'est proclamé Nicolas Maduro vainqueur élection avec 52% voix pendant que opposition lui-même, lui dit c'est lui qui gagnait avec 67% voix qui a joint González Urrutia. Annonce pour un troisième mandat 6 ans pour Nicolas Maduro a provoqué manifestation dans tout pays à côté. Yon bilan officiel parlait de 25 morts, 192 blessés et 2400 arrestations. Pendant ce temps, opposition lui-même l'a lancé pour demain 17 août là, yon manifestation mondiale au Venezuela et dans le reste monde là pour tout le monde tende voix vénézuélien qui a demandé pour respecter victoire et souveraineté peuple Venezuela d'après opposition politique là. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC où a suivi un programme dans langue créole et haïtien. Marie-Louis Pierre pour parler nous de mauvais temps avec cyclone Ernesto en Alouessa. Et spécialiste en États-Unis ont dit que cyclone Ernesto était une tempête catégorie 2 jeudi vendredi à pendant l'a déplacé dans l'océan Atlantique là dans direction des îles Bermudes côté au prévoir les pral porter à cli gros vent à gros la pluie. Dans le dernier rapport qui sortit sous cyclone, non, Ernesto était à peu près sur une distance 415 km dans sud-sud-ouest Bermude et l'étape déplacée dans nord-nord-est à 20 km à l'heure. L'hypothèse à clé, vent cap soufflé à 155 km à l'heure. Yon avis cyclone était en vigueur pour Bermude, côté yon espéré Ernesto pour le produit 15 à 30 cm la pluie, il a même arrivé à 38 cm la pluie. Et spécialiste météo te dit, ça qu'à la cause d'une grosse inondation qui menaçait la vie moune.
Autorité territoire britannique là t'es suspend transport public et puis il y a fermé aéroport à Swear. Ministre sécurité nationale Michael Weeks t'a demandé pour tout le monde fini avec préparation cyclonio hier jeudi hein. Tandis que les spécialistes yo prévoir Ernesto t'a continuer renforcer et puis peut-être vienne tourner une grosse tempête, un cyclone catégorie 3 ou soit pifo le arrivé dans Bermude. Kounye la yo dit que renforcement semblé campé pendant la nuit là bien que il pas perdu force lui. Ernesto t'a espéré pour force puis plus toujours jeudi vendredi avant d'y passer tout près au soir sous Bermude à n'importe qui l'heure demain samedi. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Et puis jeudi, c'est vendredi, c'est Dieu merci, c'est vendredi. Nous avons rendez-vous avec ça qui a passé dans HMI là, avec Jude Deonceré. Groupe musical Jackout Number 1 a couru sous plusieurs mois depuis les faits en campo dans le business musique haïtienne. Non, mais on a pour la presse qui sorti semaine passée, administration groupe musical Jackout Number 1 a présenté excuse publicly by tout méloman après incident entre musiciens jazz là, t'es discuté dans réseau social. Nous t'es constaté vraiment vrai, une série de déclarations qui vient sèment ak jouement, t'es sorti en bas bouche divers musiciens Jackout Number 1 et t'es arrivé déranger bon entendement fanatique jazz là ak citoyen concerné. C'est dans Facebook, Instagram avec quelques groupes publics dans WhatsApp que parole de Gren Gosho te parlé. Administration Jackout Number 1 reconnaît que image jazz là vient dépamment et promet que division li sous liste pour résoudre. Pendant que Napton, VOA Creole te parlé avec chanteur solo Junior Bonheur qui te sous liste pour faire partie Jackout Number 1. Junior Bonheur te même chanté plusieurs musiques qui t'a doué sorti dans prochain album Jackout Number 1. Et pourtant, Junior Bonheur déclaré dans micro VOA Creole li ralon bac à cause incident qui mettait face à face musicien jazz là. Et oui, et en train d'essayer pour me chanter album Jackout. Au contraire, me gars chanter over 6 à 7 musiques sur album là. Mais on connaît moi-même moi t'ai venu pour Jackout Number 1, pas pour Jackout Reloaded. Okay. Et Jackout son gros plateforme qui toute jeune dame passe la donne et pour son divers je me c'est son idole pour moi et c'est appel monsieur qui venir dans Jackout. Mais là venir imaginer que et pendant venir aux discussions et puis amen m'attendre autant pour album sorti mais problème qui vient c'est changer nos jazz ou entendre nos jazz que moi pas venir pour ça et j'aime des nèg yo si me ville là les merci à pour seulement m'apporter dans Jackout Number 1 les merci à ou c'est m'apporter dans Jackout Number 1 mais aussitôt je voulais changer l'autre nombre là parce que me devini pour une plateforme que nous même depuis une petit n'a suivre que c'est rêve nous pour nous la donne si pour mal font l'autre bagarre préfère me continuer avec ça me dégain c'est une raison qui fait me prendre ligne que me continuer ça me dégain au lieu mal font l'autre bagarre. Non mais l'autre de presse est sorti, côté que Jackout Number 1 fait qu'on est que tout le est normal et pas de problème encore, Jazz après le reparti, est-ce que vous n'en reparti là? Bon, si le normal, si le sorti, si le n'a reparti, en suivre, en suivre. Ok. Bon, ouais, même quoi que Marco Fell, c'est pour Kembe, et c'est pour dire public là, calme, okay. Et il y a un gars qui a fait, mais et pour pas vraiment, pas quoi que qu'on gagne, qui fait. Moi-même, des boutons de ce Jackout Number 1 qui existe, qu'on aime là. Bon, mais il y a une information qui veut jouer nous qui dit qu'on va faire Jazz Sport ou? Bon oui, imagine on vient faire 4 mois, 4 mois m'attendre, m'essayer négocier avec yo pour une année parler, pour négo bien, toujours aller mener venir, même pas faire tout temps m'a chercher faire négocier et quand mon négo parce que grand bagarre, m'ka décidé faire bizarre m'ba zanmi ou. M'ka faire bizarre pendant nous pas parler même sur jour nous parler, même pas ka gagne on plateforme comme ça et on pratiquement comme ça payer à gagner pour ne pas ka gérer. On prend trouver que et s'il pas qu'a fait kounya m'pa quoi la fait ça veut dire si nèg yo pas qu'a mettre tête ensemble pour faire public la musique après tant yo li moi même pas qu'a acheter après tant parce que moi même pour moi sont fanatique. OK merci toi bonheur pour baïnon jazzoa et bon demain après tourner coche même bagala coche yeah. OK depuis n'a continuer c'est coche et qui le coche a sorti officiellement dans qui point nous et moi même tout gain album moi là et on connaît nous gain staff nous là tout mais n'a suivre n'a tande toujours n'a bon moment n'a chercher des bons joueurs pour nous monter terrain pour toute nouvelle sauver des yo dans HM Island non pas c'est juste de on se prouver au créole Miami. Merci Jude Deonceré. Donc nous avons rendez-vous chaque vendredi avec Jude Deonceré pour dernière nouvelle dans HMI là pour nous connaître ça qui a passé. Nous pratiquement arrivé dans fin programme là. Eh ben n'a pas rappelé gros point un, c'est d'abord invasion qui fait dans prison civile Saint-Marc là jeudi vendredi 16 août 2024 là dans matin, gain 12
prisonnier qui mouri, gen 4 qui blessé, gen 10 qui réussi chapé pour lui, donc continue à ramasser information sur ça. Et puis jodia Luis Abinader prêté serment pour un deuxième mandat dans tête République Dominicaine. Et cela nous mettait fin. Merci pour attention, nous merci pour fidélité nous. Nous souhaitons nous passer un bon week-end. Et Jean-Marc Hervé Abela avec Marie-Luce Pierre, yon l'autre fois encore, nous dit nous bonne fête, étape fêtée hier. Et puis tout l'autre monde qui te permet que programme ça te mette en onde. Donc nous souhaitons nous passer un bon week-end sans penser avec Jean-Robert Philippe qui est en vacances. Mes amis, moi c'est Jacques-Claire Bélizère. Bon week-end tout le monde. Et mes amis, bon gros nouvelle là que semble pas la camangomé là. Semble que conseiller présidentiel yo, conseil présidentiel là et gouvernement koni là, semble que yo kan gros couri après gros réunion que délégation CARICOM yo a réalisé avec ensemble de personnalités ça yo. L'aime dit que conseil présidentiel mettait avec gouvernement kan gros couri. Eh bien, semble capable de dégénérer et qu'il y a pile possibilité là, après discussion qu'a fait entre éminente personnalité CARICOM yo, avec gouvernement, avec conseiller yo, avec ensemble de acteurs politiques, eh bien, yo semble là, table regarder question conseil présidentiel transition. Et l'aime dit regarder là, ça veut dire est-ce que c'est possibilité pour que yo ta crasé conseil là? Est-ce que c'est possibilité pour que yo ta crasé conseil là et kembe PM Garikoni comme premier ministre, même Jean que Ariel Henry lui-même, que c'est lui-même qui t'a mené pays sans que pas de l'autre monde qui t'a triché avec lui? Parce que après scandale corruption qui impliquait 3 conseillers présidentiels ça yo, qui c'est Louis Gérald Gilles, représentant à quoi 21 décembre, Emmanuel Bertilère, représentant Petit Dessalines, et Smith Augustin, représentant Red et des compromis historiques, que M. Sayo, et qui impliquait dans le scandale corruption 100 millions de goudes, qui ont demandé avec ancien président conseil BNC1, M. Raoul Pascal Pierre-Louis, eh bien, éminente personnalité CARICOM, il a vraiment mettez accent sur ça et yo même a demandé vraiment d'une commission indépendante qui mettait campé pour mener investigation pour connaître est-ce que effectivement que 3 conseillers ça ont demandé l'argent avec monsieur Raoul Pierre-Louis et si toutefois que yo ta joindre que nèg ça ont demandé l'argent avec monsieur Pierre-Louis eh bien gain en 80% chance pour que conseil présidentiel là que t'a crassé et pas oublier que en pile fois qu'a levé dans société hein et qu'a demandé pour que yo capable mettre sous côté mes 3 conseillers ça yo ancien sénateur Jean Hector Anacassis parlé et dit conseillant lui dit clairement que 3 monsieur ça yo t'a droit pas dans tête conseil là encore et qu'il y a un pile acteur dans société civile là qui dit que monsieur ça pas très dans conseil là encore. Kemet André Michel, qui s'est membre à quoi 21 décembre, lui m'a clairement tout pour que mette 3 conseillers ça au supporter. Kenye ancien député, à retour bien-aimé, monsieur mandé tout pour mettre 3 conseillers ça au supporter. Ça veut dire, mettez 3 conseillers ça au supporter, mais conseil là, lui sous pour le crasser. Et qui ont pile manœuvre qu'a fait là pour que c'est Edgar Leblanc fils qui kembe mais président conseil transition bagaille au pile là en pile manœuvre a fait la désirveness côté de partisan Edgar Leblanc fils nèg yo fait de gros réunion là une façon pour capable écarter conseil ça yo et que 2 conseillers ça qui pas gain droit de vote yo madame Régine Abraham et Frinel Joseph yo mandé avec l'autre conseiller yo qui donc et 4 conseillers qui pas impliqué dans scandale corruption ça pour yo et mettre campé yon commission côté que 2 membres dans conseil là qui pas gain droit de vote yo a fait partie commission ça et pour enquêter pour est-ce que effectivement que monsieur ça a demandé l'argent. Et ça fait nous dit désir, après gros réunion que éminente personnalité CARICOM a fait là, bien en pile possibilité pour que conseil s'accrasse. Et jusqu'à présent, on a dit, bagarre l'Assemblée,
c'est Gary Conny qui va gagner manette là pour les Desi Menes. Et dans le cas ici, Désir, journée jeudi qui c'est 15 d'août, fête Notre-Dame de l'Assomption pour catholiques, militants dans le cas ici, yo couri derrière Jean-Charles Moïse. Yo relé Charles Barré derrière Jean-Charles Moïse. Yo dit Jean-Charles Moïse sont raquettés. Jean-Charles Moïse sont bluffés. Jean-Charles Moïse sont magouillés. Parce que yo dit Jean-Charles Moïse, yo prend balle dans la manifestation pour Jean-Charles Moïse. Puis yo cassé, yo prend, yo marron, yo victime ensemble de bagaille. Parce que yo t'a goumé avec Jean-Charles Moïse. Et Jotien, Jean-Charles Moïse a bien passé. Non, pourquoi ça? Elle virait tout, bah, militant ça yo. Et n'a gore le Charles Barré, derrière Jean-Charles Moïse, nan cap haïtien, nan occasion 15 d'août, Notre-Dame Assomption des Yvonnes. Très bien, Blaise Vitasson, dans mairie Tabac, arrêté plusieurs monde qui impliquaient dans faux documents dans le cadre d'un projet démolicaille qui était situé dans un aéroport international Toussaint-Louverture. Et contrefaire, et essayer donc de regarder qui ça que nous soit représenté comme faux titre propriété à l'autre document et ont essayé déranger processus de compensation pour propriétaires réels en collaboration avec un système justice là avec la police. Mairie a continué à faire effort pour démanteler réseau SILA qui et puis garantit une bonne distribution de compensation pour que prochaine phase de projet démolition qui a fait dans ça qui vient pour avec question caille que l'État a démoli dans entourage aéroport international tout ces vêtus après attaque qui a été subi 29 février passé dans mouvement bandit examen t'a fait selon André Michel selon ça écrit sur compte X une délégation accord 21 décembre t'est rencontré avec une mission CARICOM journée il t'a dit qui s'est passé là il dit qu'il a profité de CARICOM pour faire tout ça et il est capable pour facilité, yo retourné en Haïti, ancien PM Ariel Henry, c'est et principal et ça a demandé principal demande que monsieur accord 21 décembre pote by monsieur dame CARICOM. Songez PM Ariel Henry fermé de yo dans mouvement politique côté nèg exam et nèg qui pratiquent dans diverses structures et organisations politiques est estimé Ariel Henry tap mal dirige pays a depuis lors il fermé dehors et Ariel pas jamais ka retourner dans pays a et bien ti monsieur dame et qui dans accord 21 décembre estimé que Ariel ta doit retourner même ça on cap dit Paul Géo Jean-Baptiste pa merdem de tout temps a pas de ça et c'est une raison et Paul Géo Jean-Baptiste t'a porté l'aller dans et conseil présidentiel transition ou bien dans gouvernement koni là elle dit personne pas en koni personne patrouille koni personne pas en mer de koni de pour toucher koni c'est comme si c'est lui-même qui a touché premier ministre Gary Koni à conseil présidentiel transition refusé une invitation république dominicaine premier ministre de facto Gary Koni à conseil présidentiel transition te rejeté invitation république dominicaine là pour y avoir participé dans l'inauguration ou bien dans l'investiture qui est lié avec Luis Abinadel qui a fait 16 d'août des maires Blaise Peterson. Décision ça, vini à cause, y a été fermé espace aérien entre deux pays et pour presque yon moitié yon année, pour presque 6 mois. Vraiment, ça a passé donc regarder conseil présidentiel transition et conseil aviation civile république dominicaine te publié. Et m'a dit qui se passe là, ou bien en mars 2024, résolution numéro 46-2024, côté OT suspend opération avion passager pour aller à Xoti en République dominicaine et à café et immédiat pour arriver en Haïti. OK? Malgré chancelier dominicain Alvarez, t'a dit que il y a un vol diplomatique qui t'a permettre que autorité haïtienne t'a déplacé avec facilité ou aller dans l'institut Luis Abinadel là qui ne songeait qui t'a poussé en pile fréquent dans la construction canal irrigation sur la rivière Massacre là et bien autorité haïtienne dit si citoyen haïtien cap sorti en Haïti pas une possibilité pour y aller en République dominicaine sur avion et bien yo même tout yo pas gain place yo dans l'institut à Blaise Peterson Désir Venesse j'aime t'a dit tout à l'heure mais ça information est gagné ancien sénateur Jecteur Nakassis, monsieur t'a fait connaître que trois conseillers, ça, t'entendez bien, oui, amis internautes, moi, t'entendez bien, oui. M'a cité Jecteur Nakassis, bien que Nakassis n'a pas de droit au nom lui-même. Nakassis n'a pas de droit au nom lui-même, parce que Nakassis, c'est clairement dit sous la mort, m'a connu sous ma télé, mais la mort. Mais chaque sénateur était pas tant comme lui-même, il n'est pas comme. Et littéralement, il était nommé ensemble de mon boulin en question, bah, ambassadio. Eh bien, Nakassis, monsieur t'a fait quoi? Trois conseillers présidentiels, ça y est,
qui impliqué dans scandale corruption. M'après cité non yo. Louis Gérald Gilles, Emmanuel Bertiller, Smith Augustin, semble négocier amendé $250,000. Bon dollar là oui, pour que yo t'a démissionné dans poste. À la cause de cause papa Charles Mas. Selon Jean-Hector Anacassis, semble trois conseillers ça ont demandé $250,000, bon dollar, pour yo t'a démissionné dans poste. Bon mes amis, on garde désir. Qui ça nek ça fait pour payer déjà? Qui tellement important pour yo t'a payé yo si yo t'a pour yo t'a démissionné dans poste aux amis internautes. Qui ça nek yo déjà fait pour payer yon? Pour que yo t'a mandé gros somme l'argent ça et pas oublier majorité conseiller yo nèg yo c'est notre timamite nèg yo c'est notre doum nèg quand que les doum non et si on est l'aime dans la chez diri dans marché qu'on n'est pas que timamite encore yo va que les doum et notre doum yo vend diri nèg yo c'est notre doum nèg yo vend poste nèg yo vend poste ministériel nèg yo vend poste direction générale. Nèg yo gade, gade moun na yo fè nou, gade yap entre nan l'état la, se sou di yap entre yo, kouna, ensemble de conseillers sa yo, a mande pou yo ba ou l'argent, et ou le pou yo si bouta démissionne. Mes amis, yé koze, ba mande sa le désir venez. Nan, émission parle pou changement. Mes amis, ki sa nou wè conseil sa itil nou? Est-ce que nou pou conseil sa arrêté? Est-ce que nou pou ke yo ta krasé conseil sa? Ensemble avec le gouvernement Kouni. Ou dis-moi, est-ce que pour que yo faut aller trois conseils ça yo mettez trois autres monde qui plus ou moins honnête et puis avancer. Ou dis-moi, est-ce que ou pour un chambardement total, est-ce que ou pour un tabula rasa, les petits tabula rasa, ni gouvernement ni conseil présidentiel tabula rasa, pour qu'ils soyez, parce que les gars ni conseil yo ni EEPM Gaïkoni, jusqu'à présent là, peuple a poko wè rien de sérieux à faire là. Jusqu'à présent, yo poko a fait rien sérieux. $250,000 que nek yo ta mandé pour yo ta capable démissionner. Mais c'est trop bâton, mes amis. Haïti a pu yon lié. Et puis Haïti, mes amis. Desi Venez, nan question officier Kenyan yo, gen pile zami, gen pile compatriote haïtien qui en Haïti. Et qui à l'étranger, yo même tout, yo dit que yo pas pour question Kenya ou été dans pays encore. C'est soit yo été à bail service ou si monsieur dans pays yo. Parce que yo y a quelques 2 mois là et pas un essai à régler. Et alors que police haïtienne yo cap touché monsieur $300 américains, c'est au caprice que vio, cap fait tout coup qu'on est là pour capable démanteler menti yo. Désir, monte sur la vidéo ça. Comment par contre, manger qui bon, non? Les gars coupent les oeufs en citoyen, coupent les citoyen, et bien fait manger les oeufs. Vous avez une vidéo, ça, désir? Oui, je suis de une vidéo comme ça, oui. Désir, les gars, on pince, comment on a dit là, on canif. Ils ont coupé les oeufs, les gars, ils disent, mais mangez le. Les gars, mangez les oeufs, après ça, on touille. Et puis? Et son personnage, mon yo fait ça, c'est mon qui t'a papa nek qui a fait action. Yeah, et puis, quand y a là, ou équipe ban kamokin, rete kwa zebra ou là, il y a plein de djebede, radoté dans le monde. Désir, nous allons regarder ça, yo, mais pas oublier, je dis, le 15 août, et faites geler, dans le Tigouave, faites Tigouave, geler dans Okaï, et faites Notre-Dame Assomption. Eh bien, nous, vraiment, ou été chapeau, nous devant Ville Tigouave et devant tout côté, cap fête fête Notre-Dame, qui s'est juné 15 août, dans Désir Venez. La vie de la yo. Très bien. L'important pour nous saluer tout le monde, ça, et puis, dire bon combat, continuez à prier, et puis, continuez à poser action, parce que t'es pas prier tout simplement, et sans pas poser action, c'est prier, et puis poser action, agir différent, et puis, d'après, tirer pays à, dans la situation qu'elle trouvait là. Et nous saluons tout pour nos cap, parce que pourquoi, au cap, a fêté jeudi, a, et fête Notre-Dame d'Ascension, et puis, pendant tout, il a fêté question, et ville au cap. Nous saluons Edouard, qui est toujours avec nous, de cette façon. Nous disons merci pour écouter la fidélité. Jean-Aubert Latour, Nego Kaye, qui est toujours avec nous. Merci en pile. Marie-Jasmin, Marie-Zana Xavier, Marie-Losifor, qui est toujours là. Nous saluons Claudette, et Sylvester,
qui toujours avec nous, nous disons merci à pile. Nous saluons la Lane Saint-Robin, nous disons merci. Nous saluons Serge, qui toujours avec nous, nous disons merci parce que toujours là. Nous saluons la Motte et Aimable, qui toujours avec nous. Merci la Motte. Nous saluons Yveline, qui toujours avec nous. Nous saluons Ghislaine Alexis, qui toujours avec nous, nous disons merci. Nous saluons Enz Présumé, qui toujours avec nous, nous disons grand merci. Ça fait nous grand, grand, grand plaisir qu'on est toujours avec nous. Nous saluons également Janine Petitomme, qui passe en avec nous. Nous disons Janine Petitomme, grand merci. Nous saluons Geoffrey Guerrier, qui toujours branché mes sacs nouvelles. Nous disons grand merci parce que lui toujours avec nous dans le cadre d'émission que nous présentons. Bon, ici, nous saluer et Bala Berta, qui est toujours avec nous. Merci Bala Berta. Ça fait un grand plaisir qu'on ait, que vous faites partie, amis, vous faites partie alliés, mais ça nouvelle, cap compté, ou pas jamais rater occasion pour garder ensemble émissionneur et puis faire réaction possible. Non, émission, nous saluer Fanèze Saint-Fond, qui pratiquement avec équipe, mais ça nouvelle, là, nous dit Fanèze Saint-Fond, et merci en pile, parce que, ou toujours là, Immaculée Lafleur, merci, parce que toujours là, nous saluons avec toute famille, et nous saluons Immaculée Verneus, qui est toujours avec nous tous. Nous dire grand merci pour écouter à la fidélité. Ça fait un grand, grand plaisir. Francis Charles, big up pour mon frère, nous comptons parce que toujours là. Junior Pierre, big up, bonsoir, merci parce que toujours avec nous. Or, Denis Wilda, merci parce que toujours avec nous. Elinor TV, bonjour, bonsoir, merci parce que ou toujours avec nous. Gertrude Sherima, merci parce que vous rejoignez l'équipe Messac Nouvelle là, nous comptons. Ouais, ou toujours, fait voyage avec nous. Mimosa Jean-Charles, là, qui est toujours branché à toute famille, nous saluons, nous disons merci pour écoute, merci pour confiance que vous placez dans nous. Wolen Prenzi, merci Wolen Prenzi, ça fait un grand plaisir. Nous saluer Emma Lunique, qui toujours avec nous en République Dominicaine, les mêmes. On dit merci en pile, ça fait un grand, grand plaisir. Alphaès Dessous, big up mon frère, Raphaël Saint-Ville, bonjour, bonsoir, merci parce que toujours avec nous. On salue Camille L'Espérance, qui toujours avec nous. On salue Florette Jean-Marie, Blaise Peterson, qui toujours avec nous. Et sans oublier, et Deran lui, qui toujours avec nous. On salue Betty Ketan, qui toujours branché, ça fait un grand, grand plaisir. Geda M, merci parce que toujours voyagez avec nous. Et merci avec Will Lanchal, en plus, qui toujours branché, ça fait un grand, 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 grand plaisir. Nous content parce que Moun Sayo, vous faites aux fidèles internautes qui suivent ensemble l'émission. Bless you, Desson. Désir, je vais vous donner une information avant que nous allions dans la Rion. Il y a un directeur général de la police, Nomil Rameau, qui accompagne avec le membre cabinet, qui recevra mercredi 14 août. Visite la délégation Bureau international narcotique et la enforcement, DG la police. Et M. Rameau Nomil, qui a parlé avec le directeur adjoint Caron H. Kim et puis Jean-Claude Modésier, programme Alvisor la enforcement, spécialiste international narcotique et la enforcement, et Gary Janiton. Mais il était important, selon ça, dit bon côté DG la police non, mais pour souligner que rencontre ça qui fait entre eux et eux même dans la police avec eh bien INL non, responsable ça, mais lire c'est une rencontre en qui entre dans cadre de perspective collaboration entre institutions policières là avec organisme ambassade américaine en Haïti pour capable faciliter meilleure collaboration dans exécution tâches et différentes entités en matière sécurité nationale dans pays d'Haïti. Mais ça c'est véritable objectif rencontre qui était déroulé entre et ça qui était discuter entre autorités et la police avec ça. Gain conseiller principal organisation mouvement citoyen engagé Sant Mosek Jonas Pierre Désir Venesse qui est vraiment critiqué mais par rapport avec ensemble de décisions ça qui a passé dans le balai et au mandé avec autorité prendre des dispositions pour capable agir par rapport avec ça qui a passé dans le balai Désir Venesse et Sant Bablier et Désir Venesse et bien gain un pilote acteur qui réagit gagne Kazek Paul André qui est même c'est Kazek deuxième section Bokassin et lui-même qui est vraiment condamné action que Mandio a fait lundi passé côté a été écrasé mais on partit dans le commissariat cabaret monsieur Jean-Paul André monsieur Mandé avec autorité yo pour vraiment établir sécurité adéquate dans espace dans cabaret à Kayer pour que la vie capable reprendre normalement et tout le monde capable de fonctionner comme ça doit selon ça qui dit par Kazek Paul André Désir Venesse. Désir Venesse dans la rien, on regarde non, comment comprendre ba sa frère parce que CARICOM a mette pression là. CARICOM a mette pression ni sous conseil yo, ni sous conseil là et ni sous gouvernement. Des gros pression qu'a mette là et minute personnalité CARICOM yo. Yo mandé clairement et yo clair sous ça avec conseil présidentiel transition. Et puis le gouvernement qu'on a dirigé, il a clairement dit, si que il n'a pas qu'à prendre toute disposition pour établir la sécurité en notre pays. Et non, on n'a autant qui très record, non, autant qui très précis, si il n'a pas qu'à prendre de disposition pour établir la sécurité en notre pays, ok? Et en même temps, tout, si que il n'a pas capable d'organiser l'élection,
Mais selon éminente personnalité CARICOM qui en Haïti et qui a quitté le pays le 16 août, mais yo dit clairement que yo a prendre des dispositions pour écraser conseil écraser gouvernement parce que ça a été dit dans mission yo. Ça a été dit dans accord 3 avril là, c'était établir sécurité, organiser élection et je dis hein, yo la caille monsieur dame ça yo pas qu'il faut noter vraiment pour que yo ta capable organiser élection et permettre que la vie reprenne dans notre pays et renouveler personnel politique là désir venance. Très bien, la situation. Et bien, notre personnalité carré comme yo, c'est normal pour yo venir. Pour venir discuter parce que ça qu'on est là, songez c'est éminente personnalité carré comme ça, c'est eux-mêmes qui baillent en dedans pays à l'institution et ils ont imposé, ils ont venu avec des bagages là-dedans, ça qui est pour avec question et force multinationale là. Jusqu'à présent, t'es venu avec gouvernement, c'est parce que ils ont estimé, mon qui était là pas de cabaret résultat, n'a pas l'idée Ariel Henry, Ariel Henry t'es cherché comme médiateur. Pour te chercher résoudre crise là. Yo venu plusieurs fois en Haïti. Yo fait plusieurs rencontres dans gros hôtel dans Port-au-Prince, tu t'as dormi, levé, bien mangé. Yo ba aux femmes toute bagarre net. Yo viré y aller. Yo pas ka jambe ka jwenn solution avec crise là. Eh bien, à tes haïtiens yo venu quitter Haïti, y aller Jamaïque pendant deux fois. Yo finalement pas jwenn en manière pour te sortir. La crise que vous avez dit, vous avez cherché à résoudre là, elle a gardé la situation. Vous voyez que vous pas dans route là du tout. Vous avez pratiquement perdu, vous avez enfoui avec le conseiller présidentiel qui est venu à Goumen pour pouvoir, qui vient là cap baigner dans la corruption, ou bien accusation, ou bien soupçon de corruption pesé sous le conseiller présidentiel, qui par exemple prend disposition la guerre froide entre le conseiller présidentiel avec le premier ministre, chef gouvernement. Parce que songez après Gary Conny fin sorti Washington DC l'Elvini en Haïti et conseil présidentiel yo te blâmé te ramené la lode pour te dire Gary Conny songez ou gen limite ou dans un que ou agir là ou pas pour à faire tant pour ces gens Ariel Henry te rive comprendre qu'elle te roi la tête dans pays d'Haïti et monsieur Damien qui vient là les personnes il y a des monde que ont rencontré on est tant pour André Michel les rencontré. Tout ça qui intéressait André Michel, c'est faire Ariel Henry retourner dans le pays. Mm-hmm. Et puis craser conseil en tout. Fait Ariel retourner puis craser conseil en parce que pas oublier. À travers conseil en pas André Michel pouvoir. Li pas SDP pouvoir. Avec Ariel, il était plus pouvoir et était plus comme en battable. Yeah! Très bien. Même en d'accord, mettez décembre dans le désir. Gen de nega kap jouer là pour conseil la craser. Et qui fait cap j'ai la pour retirer le Gérard Gilles? Parce que, en donnant quoi, 21 décembre, pas oublier, t'es combattu en question, bloc majoritaire, bloc minoritaire, blé bagaza? Eh bien, bloc minoritaire, la besoin pour retirer le Gérard Gilles, lui. Parce que, y a besoin de laisser ça, eux-mêmes, qui vous voyez et représentant eux. Et laisser ça, y a plus confortable avec mon nouvel voyant. Mais, comme tout ça, qui en pile secteur là, tant que SDP, qui fusion, qui un paquet de monde qui t'a payé dans la corruption dans Ariel Henry, qui besoin que le conseil encrasé et qui besoin que le gouvernement encrasé? Parce que vous besoin de mettre par parce que pas de bonnes bagailles. Et je veux ça clair dans la tête de la métier. Moi, je veux ça clair pour chaque monde qui a tendu à garder la désir. Ouais, ensemble politique, c'est qui Haïti là, yo. Ensemble politique.